asleep amidst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3. Et regardez la nouvelle coupe, les nouveaux vêtements et tout le bordel hein. C'est magnifique. Et on se retrouve à Novigrad, direction le cap de Skellige. Et en fait non, pas du tout, parce que si on regarde les quêtes, il y a d'abord les bûchers de Novigrad niveau 10 qu'on essayait, alors que là c'est niveau 16. Donc on va d'abord faire les bûchers de Novigrad. Et on va devoir aller rencontrer Triss parce qu'apparemment Ciri est passée par Novigrad. Donc autant aller s'informer là-dessus et on ira sur Skellige, plus tard. Donc rendez-vous chez Triss. C'est par là. Elle est là, Triss. Une porte. Elle est ouverte. Ça va. On a de la chance. Du balai. Juste piller tranquille. What, les mecs, tranquille. Bon les gars, je suis en train de voler, alors laissez-moi tranquille, laissez-moi voler en paix, s'il vous plaît. Discutons. Le butin ne m'intéresse pas, c'est la magicienne que je cherche. Et on est censé gober ça? Bah un peu, ouais. Oui. En fait, vous êtes en train de voler là, mon ami. Dans un trou à rats avec les autres. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. Je tenterai ma chance. Bosquet putride, si j'étais vous. Oui, donc si elle est en train de se cacher, c'est juste parce que... Le bosquet putride. Bah, les chasseurs de sorciaires sont présents. Il y a que des monstres, un peu partout. Des là-bas. Alors, tu serais à ta place là-bas. Aussi, l'enfoiré. Mais ce que j'ignore, on sait. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des murs de la ville. Mais peu de gens savent exactement où. Demande à un mendiant. Ou alors repère-toi un voleur et suis-le. Mendiant et Tirlen paient un genre de tribut au roi des mendiants. Au bosquet, à ce qu'on dit. Les mendiants du coin ont un roi? Avec une couronne, un sceptre? Je pense pas, hein. À ta place, je me moquerai pas, mon gars. Le roi des mendiants, c'est qu'un surnom. Ce type est respecté de tous à Novigrad. Il reste sur des gardes. Meng lui-même évite le bosquet. Ouais, ça me fait penser un peu à Skyrim. Hein. On me demande. Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du temple. Oh, et merde. Eh, j'y suis pour rien, moi, je suis pas un pillard. Hein. La vermine chapardeuse. Ah, c'est bon, merci. Mais, monsieur, quel mal on fait? C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ça t'autorise à voler ce qui lui appartient? Bah, les sorcières, les mages et tout le tintouin. C'est dehors la loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du temple. Et c'est toujours la loi. Eh oui, et donc si vous volez, vous volez la garde du temple. Allez, dégagez. Oust. Bon, ils étaient gentils, ils m'ont aidé, mais bon... Qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à une lieue de distance. Je suis content de le savoir. Allez, hop. L'odorat n'y est pour rien. C'est une affaire d'ouïe. Eh bien, brr. Vrai expert en chauve-souris. Moi qui croyais avoir affaire à un tueur de monstres. Moi, ce sont les anomalies que je renifle et que j'avertis. Elles ne sont pas les bienvenues à Novigrad. Ça va, je suis pas une anomalie, mec. Calme-toi. Je n'ai rien fait de mal. Mais ça viendra. Oh, la victime. Les gens comme toi font toujours du grave. C'est à moi de veiller sur cette ville. Ouais, bon, laisse-moi tranquille maintenant. Et au feu éternel. Je ne puis rien faire pour l'instant, mais sache que je t'ai à l'œil. Un faux pas, une erreur. Tu finiras par commettre un appel. C'est inévitable. Au pire, je te tue et puis voilà. Là, ce sera la procédure habituelle. Comme pour toute erreur de la nature, osant souiller l'air ambiant avec sa magie. Au plaisir. Ouais, pas moi.
Puis ma cicatrice, elle est plus belle que la tienne. Allez, hop. Mais ça va, fais pas cette tête. Gérald qui est déçu, tu sais. Du coup, il faut repérer les voleurs sur la grande place ou parler aux mendiants. Très bien. C'est un voleur, ça? Oh, toutes mes excuses, mon bon seigneur. Un peu de tenue, sale pouilleux. Oh, le mec. Ah, c'est con, hein. Bon, il s'est barré là-bas, on va le suivre. Waouh, c'est quoi cette caméra? Ah, l'autre, il a abandonné. Eh, mais il est où, le voleur? Eh, t'es gentil, mais... Eh, petit garçon, t'as pas vu un voleur? C'est lui, là, non? Non, citoyen pauvre, rien à voir. Oh, le mec! Bon, c'est pas grave. On va changer de voleur. Celui-là, il me plaisait pas, de toute façon, c'était pas trop mon type. Merde! Ah, c'est bon. Assassin's Creed, mec. Wouh! Ah, ok. Lui, c'est un voleur, non? Du gâteau. Non, c'est pas un voleur, c'est un vieux... Trouvons un voleur. Eh oh! Y'a un voleur dans les parages? S'il vous plaît. Il a senti quelque chose. Prenons un peu de champ. Prenons un peu de champ? Ah, c'est lui? Ah bah oui, c'était bien un voleur, d'accord. Les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix de deux. Je veux dire... Bon, on va le laisser avancer tranquillement. Mais... Ma mère est malade. Mais lâche-moi! Non, mais putain! Bon, vas-y. Très bien, tu auras ta pièce. Mais dis-moi d'abord où trouver le bosquet putride. J'en sais rien. Gardez votre pièce, foutez-moi la paix. Allez, du vent! Ok, j'ai compris, ça va. Mais du coup, tu m'as fait perdre mon voleur. Ah non, c'est bon, il est là. Oh oh! Il nécessite... C'est qui vient m'emmerder encore. Ah. Il y avait beaucoup de monde là, c'est qui? Je suis qui, merde? Non, je suis le voleur. Non, je suis lui. Allez, je le suis lui. Il doit payer un tribut au roi des mendiants, donc c'est lui qu'il faut suivre. Lui, il va directement nous mener au roi des mendiants. Alors que le voleur, il va sûrement voler d'autres thunes. On s'en fout complètement, en fait. Allez, avance! Et il va pas me faire le tour de toute la ville, non? Poussez-vous, les enfants! Vas-y, mais c'est loin, là! Allez, on y est presque. Je sens. Ça pue les égouts. Merde, il va me repérer. En même temps, je passe pas trop inaperçu. Hein. Le mec, c'est un putain de sorceleur. Il y en a un dans tout Novigrad. Donc, bon. Pour passer inaperçu, c'est pas le meilleur moyen. Vas-y, j'avance un peu plus vite, allez, allez! Là, on sort de la ville. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Ah non, on est toujours dans la ville. Putain.
S'il faut, ils m'ont repéré, ils me font faire le tour de la ville, genre... mec, t'es deg, je vais te gâcher la vidéo. Ah. Une ruelle obscure. Trouver le repère du roi mendiant. Ah ouais? On se repose entre deux chasses aux sorcières. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sera comme d'habitude. Il a donné la thune là-dedans. Ok. Il se barre. Bien. Très bien. C'est des bizarreries, ça me plaît. Et les ribaudes à 300 sont interdits dans les autres bordels. En vérité, nous dépendons. Là, il y a un voleur. Oh. Okay, ça va. Veuillez m'excuser. Pousse-toi! On va frapper, hein. Parce qu'on est, on est quand même relativement gentil et poli. Ité, qu'est-ce que tu veux? Je suis un voleur. Regarde-moi, que vois-tu? Des yeux jaunes, deux épées, un tueur mutant, je dirais. Ah, c'est bien. Dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mot de passe, accès gratuit. Sans une taxe d'entretien du bosquet. Oh merde! Je n'ai pas de mot de passe. Alors faut payer. J'ai le mot de passe. Ah, j'ai pas persuasion niveau 2, dommage. Oh tiens, j'ai de la thune, allez, vas-y! Bon, les gars, ouais, faites un don hein, pour pouvoir payer ce. Mais d'abord, tu dois me remettre. J'ai besoin de vous, les gens. Elles seront bien au chaud dans mon casier. Non! J'ai besoin de mes armes. Bon, allez. C'est pas grave, au pire, je le démonte avec mes poings. Ne quitte pas des yeux. T'inquiète, ne bouge pas d'ici. On passe quand tu auras vu le roi. Bon, ça va, c'est cool. De toute façon, je devrais pas me battre, hein, y a pas de raison. Mes épées. Puis si je me bats, il va falloir que je me barre avec mes épées, hein, donc je reviendrai te castagner. Quel est le problème? Je vois plus d'un œil, mon monsieur. Pensez ici. Maman. Alors, comment ça se passe? Bien. Les gens... Salut. Il ah, c'est triste ça, non? Clarifie un truc magique. Ah oui, c'est triste. Oui. Grand temps. Moi et mes gars, on s'en sort très bien sans l'aide des mages. Mais vous autres, sans nous, vous finirez cuit à point par la garde du temple. Mais qui voilà? Moi, je préfère saignant les sorcières. Gérald? Oh! Elle est pas mal, la rouquine. Vous vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Ah merde, il savait que j'allais venir, l'enfoiré. Des espions t'ont rapporté que je cherchais le bosquet putride. Mon crâne servirait de maison aux poissons du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe. Et épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nid, pas vrai? Ah, c'est pas de... Ok. Vas-y, je veux savoir comment il appelle ça. Le bosquet, pas putride. Pour un type qui fait payer un tribut aux mendiants et aux voleurs, je trouve ça bien romantique. C'est un impôt, pas un tribut. Et ce sont mes associés, pas de vulgaires voleurs. Vois-tu, sorceleur, j'ai mes plans. Et je vois grand, histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Doum doum. J'adore la musique. On dirait un tournoi qui s'annonce, tu sais. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Bon allez, qu'est-ce que Quel tu veux visionnaire. Je vais t'aider si tu veux. La prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. À compte pour mioche. T'as qu'est-ce qu'il faut pas faire juste pour retrouver Ciri? La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour,
les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le bosquet putride. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Non mais sérieusement, tu peux pas juste demander où elle est, Ciri, c'est tout. Rallier notre ville, car elle sera nôtre. On aurait fini la série déjà 10 épisodes avant. Au pluriel. Ouais, à moi et à mes amis. Eh mec, tu t'es mal rasé. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Ouais, prépare-moi ta chambre, Gérald, s'il te plaît, j'ai parce que. Des choses à faire. Mais ça va, ça va prendre que 2 secondes. Je suis rapide, moi. Ah, le mec, regarde-le. Regarde-le, ce pervers, là. Vas-y, faites vos trucs, là. Je m'assois, je regarde. Quelle est la nature de votre accord? Il t'utilise? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a 6 mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Il y a 6 mois, Triss Merigold a dit adieu à un être cher et a dû commencer une nouvelle vie. Tout n'a pas tourné comme je l'espère. Une petite pièce. Viens, je vais te donner un aperçu de ma vie ici. Allez, donne-moi un aperçu de ta vie. Madame. Rends-moi mes épées, toi. Toujours aussi radieux. Dommage que vous partiez. Wow, calme-toi. Pas de panique. Je serai bientôt de retour. Oh, et mon ami aimerait récupérer ses armes. Waouh. Mais bien comme sûr. Comme il lui fait du rentre-dedans. J'ai dit que je les lui rendrais et je m'en vais lui rendre. Tiens. La tombarda. Mais pourquoi tu me séduis pas, moi? Pourquoi tu me parles pas Faites comme elle? Faites bien attention à vous, mademoiselle. Novigrad, c'est plus ce que c'était. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Moi aussi, j'ai un certain charme. Tu es à Et Novigrad, puis j'ai une queue de cheval. Importante, j'imagine. Importante est en deçà de la réalité. Je cherche quelqu'un. Bah, à la base, je te cherchais toi, en fait. Une jeune Ciri. Femme qui est comme une fille pour moi. Elle? Ici? Non, c'est impossible. Et pourquoi tu dis pas son nom si elle la connaît? Les gens l'ont vu. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville. Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus? Bah j'en sais rien. C'est à toi de me le dire, non? Faut la suivre, hein. Ben, ça sera un épisode où on suit les gens. Écoutez. Pas de créatures mythiques, pas de combat épique, juste on suit les gens. Non, regardez le petit bébé. Il est moche. Comme tous les bébés. Ah, qui est-ce? Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré Cloug. Les ingrédients pour mon encens magique? Cloug. Oui. Enfin, t'es sérieux, là, Cloug? Je marchais le long du canal, coltinant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois 3 gardes du temple venir dans ma direction. Oh, Venez-en c'est cool. Venez-en, fait, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez. Un sac plein d'ingrédients magiques, et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je suis pas un lâche, mais j'ai senti la sueur froide me couler jusqu'au derche. J'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi, j'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh ben, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Eh ben, on va aller le chercher. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac? Il faut pas voir ça. Faut savoir se mouiller pour une bonne cause. Moi, je veux l'avoir mouillé. Pour une cause? Et pour quelqu'un, alors? Il en va de même pour les gens. Dans ce cas, tu ne vois pas d'objection à plonger à ma place pour récupérer ce sac? Rafle! Halt! Vous entendez? On est attendu. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque, imbécile. Merde! Barons-nous! Insensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles, je lui broie les roustons, que dalle. Mais il est chatouilleux comme tout.
Je lui colle un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le tour est joué. Oh ! La chance ce coup-ci. Il y a plein de références. Il y a une trappe par terre. Faites attention. Plein de références avec d'autres séries et films. Le scarabée, ça me fait penser à la souris dans Game of Thrones. Donc du coup, descendez au sous-sol. Ah, il faut aller au sous-sol, ok. Très bien. Et t'as pas de sous-sol, mec. Assis. Hush ! Oublie pas de fermer la porte, hein. Ferme ! Et ferme ! Où là ? Oh, le voyeur. Bah, t'es nul, hein. C'est comme ça quand tu as le voyeur. What ? Ah, le voyeur, il meurt pas. Bon, voilà. Il est passé par où, le noyeur ? Ah, t'as mis du rouge de partout. Mission secrète. En cas contraire, Cloug ne nous aurait pas envoyé ici. Ah, d'accord. Il va y avoir un mécanisme dissimulé dans ce mur. Ok, bon, bah, cherchons le mécanisme. On va prendre tout le bordel. Ouais, très bien. J'ai eu un schéma. Par là. Il y a quelque chose, là. Non. C'est une prison. Le mec, il a une prison chez lui, quoi. Et il est pas suspect. T'as fermé, j'espère. Putain, mais le relou. Là, il y a quelque chose. Pierre de vin, on s'en fout. Non. Faut mettre une épée, là, non? J'en sais rien, moi. Oui. Bah, cherche-moi. Cherche-moi, ouais, bah ouais. Aide-moi à chercher, sérieux. On va éteindre la lumière, non? Je vois absolument rien. Mais il n'y a rien sur le mur. Tiens, il y a un coffre, là, j'ai pas ramassé. Je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien du tout. Un mécanisme sur le mur. Sens du sorceleur. C'est évident qu'il faut faire ça. Ah ah ! Bah oui, je suis un boulet. La cité libre de Mage. Ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de Lokmin. Ils pensaient échapper au bourreau de Radovid. Au lieu de quoi, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut trois choses. De l'or, et encore de l'or. C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens. Ensuite, ils s'en prendront aux non-humains. Les elfes vivent dans des taudis, mais les nains ont la main mise sur les finances de la ville. Officiellement, Novigrad reste une ville neutre. Cela dit, je doute fort que les gens y croient encore. De toute façon, si c'est les nains qui ont l'argent, c'est eux qui dominent Novigrad, hein, je suis désolé. Puis d'ailleurs, le banquier de Novigrad, c'est un nain. Enfin bref, on avait galéré pour passer ce trou là. Et on le passera pas aujourd'hui puisque c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous, bye bye.